Pour moi, l'école Sophie Barra, c'est comme une seconde famille. Un superbe projet. Mon travail consiste à m'occuper des élèves, des adultes, des parents, à mettre en œuvre les projets, à entretenir les locaux et à penser à l'avenir. Alors, je suis le chef d'établissement de l'école. Alors, l'école, c'est l'école primaire. L'école primaire, ici, va du CP au CM2. 14 classes et une classe ASH, c'est une enseignante spécialisée qui est là pour aider les élèves en difficulté. Il y a 4 ans, on a mis en place un projet cirque. Donc le projet cirque, bien ficelé, on avait pensé à tout, arrive la veille du projet, donc un vendredi soir, veille de week-end. Là, le semi-remorque arrive avec la toile du chapiteau, en fait, et la personne qui devait livrer le chapiteau vient voir, me demande où va se trouver le chapiteau. Donc en fait, j'avais l'autorisation pour le placer sur la prairie, ici. On arrive, et là, alors moi qui n'avais jamais mené de projet comme ça auparavant, et là on se rend compte que le chapiteau, la toile, pèse un peu plus de 500 kg, qu'il va falloir la porter parce qu'en fait, eh bien, toute l'allée menant à la prairie est jonchelée d'arbres. Donc impossible de monter ça en fait, impossible de monter un camion ou quoi que ce soit. Donc ça a été, c'est là où on retrouve l'esprit, je dirais, ici, Sophie Barra, parce que c'est coup de fil aux amis, coup de fil aux parents, coup de fil aux élèves. Et le samedi matin, en fait, on était 30 personnes à porter la toile de chapiteau, donc avec des grandes barres de fer, et puis comme dans les galères, là, les galériens avec OIS. Et en fait, à 30 personnes, on a réussi à porter le chapiteau, à l'installer sur la prairie. Et après, on a passé la journée à monter le chapiteau, mais ça, c'était prévu. Donc, c'est une anecdote et c'était une journée très sympathique où, voilà, où il y avait vraiment un esprit convivial sur place. Alors, pour moi, l'école Sophie Barra, c'est plus qu'une école, c'est un lieu de vie parce qu'on développe les 3 aspects, en fait. On développe l'intelligence, donc ça, c'est tout ce qu'on va retrouver plus au niveau des programmes d'éducation nationale, ce qui est un peu obligatoire. On développe aussi l'être, la personne, donc à travers le PS, à travers l'art plastique, à travers, ici, on fait du théâtre, la chorale aussi, et aussi le cœur. Alors Sophie Barra, c'est un esprit bienveillant à maintenir, évidemment, des projets à soutenir, le numérique, les langues, c'est une réforme du lycée pour laquelle nous devons être à la pointe. Ouais, je veux bien un chocolat.
Je suis professeur d'histoire-géographie, donc au lycée, au collège à Sophie Barra, et bien entendu, transmettre des connaissances, transmettre des méthodes de travail, essayer de former les élèves pour qu'ils puissent après être armés face à des informations, des lectures, des commentaires de politiciens, enfin, toutes ces choses où on a besoin d'eux et où ils ont besoin d'exercer un esprit critique. C'est un endroit où on est bien d'abord, on a un parc agréable, des espaces de travail intéressants, et puis où on partage des valeurs d'aide, de compréhension vis-à-vis des élèves, un soutien de la part des collègues, une ambiance sympathique, agréable en général. C'est rarissime les années où on n'est pas bien dans une classe. Alors, mon travail donc, à l'infirmerie de Sophie Barra, c'est d'abord l'accueil des jeunes, du CP jusqu'en terminale. De plus, donc, c'est prodiguer les premiers soins quand il y a besoin, de répondre à une souffrance parfois psychologique, et puis assurer les accidents de traumatologie qui peuvent arriver dans la cour, au gymnase. Écoutez, pour moi, c'est un établissement de qualité. C'est un endroit où on tient compte beaucoup de l'humain. Moi je suis puéricultrice de formation, donc ça veut dire une infirmière qui est spécialisée chez les enfants. Tout ce côté humain, écoute, et pour moi c'est très important. Et je pense que de mon côté, en tous les cas, c'est quelque chose qui m'a attirée dans cet établissement. Et puis le cadre, la gentillesse et l'empathie de beaucoup, beaucoup de personnes. Bonjour à tous, avant de commencer cette émission, on aimerait faire une petite dédicace à tous ceux qui, comme nous, courent après leur bus chaque matin. Aux plus flemmards qui font 10 minutes chaque matin et aux plus ambitieux qui, eux, passent une heure, parfois plus, à regarder le paysage, assis confortablement sur le même siège que hier, avant-hier et l'année dernière. J'aimerais juste vous faire passer ce petit message sincère et profond. Tous vos efforts ne sont pas perdus, parce que Radio Barra est aussi venu pour vous passer un super moment et que cette journée soit la meilleure de la semaine. Aujourd'hui, c'est le 19 janvier et comme tous les mardis et vendredis, c'est DJ 747 et Nico dans le 13. Salut tout le monde ! On vous souhaite une bonne écoute et un bon appétit sur Radio Barra. Alors, pour Sophie Barra, ici à la cafétéria, j'ai décidé de reprendre le projet radio pour pouvoir faire passer un beau moment aux gens qui mangent. Généralement, au midi, on aime bien se détendre, etc. C'est bien de se détendre à la cafette, mais il y a toujours un brouhaha permanent. Et c'est vrai que c'est cool d'avoir une musique en fond, etc., de passer un bon moment. Ça permet aussi de créer des liens, puisque les gens viennent nous voir, on discute, ils nous proposent des musiques, etc. En seconde, il y avait la radio à la cafette. Et quand je suis arrivé en première, c'est-à-dire l'année dernière, il n'y avait personne pour prendre la radio et c'était, je trouvais dommage. Donc j'ai décidé avec Monsieur Bénard de reprendre la radio. Donc j'ai commencé petit à petit avec des émissions à blanc, donc c'était dur. Mais je me suis fait au micro, aux gens, à la cafette, etc. Et puis j'y suis là cette année, ça fait 2 ans. J'adore ça. Le groupe scolaire Sophie Barra, il nous aide franchement à avancer dans notre scolarité. C'est vrai que là, en arrivant au lycée, on a découvert toutes les activités que M. Bénard proposait, donc la radio, le groupe développement durable, et c'est vrai que ça nous permet de nous épanouir au mieux et d'avoir vraiment déjà une expérience un peu là avec la radio orale face à un public ici, la cafétéria. Bon,
bon. Bah, c'est parti sur une dizaine d'œufs. Nickel. Bon, on y va. C'est bon. Go, go. T'as fermé ? Yep. You know what I mean, bro. T'as besoin de pour les nettoyer ou pas? Hein? T'as besoin de pour les nettoyer? En fait, je vais nettoyer les mains au passage aussi, donc pour l'instant. Comme tu veux. Tout va bien. Tout va bien. Tu remets le. Bon, bah, j'y vais. Ok. Mon travail, enfin plutôt mon job de bénévolat, donc ça consiste à m'occuper des poules. Tout ce qui est nettoyage et nourrissage avec d'autres membres du groupe. Il y a plein d'après-midi qui ont été vraiment sympas, donc avec le groupe développement durable, pendant lesquels on a construit le poulailler par exemple sur toute une après-midi, ou alors récemment on a terrassé les niveaux près de la cafette sur 2 jours. C'était long et dur, mais on s'est bien amusé quand même au final. C'est pas mal de valeur, c'est vraiment le rassemblement et tout, un esprit d'équipe. Et je pense que ça se traduit très bien par des projets comme ça. Enfin, au départ, on n'était pas beaucoup, on était une petite dizaine. Mais on était motivés pour faire un projet, pour promouvoir le développement durable. Et au final, on a réussi à faire plein d'actions et c'est vraiment ça, quoi. C'est un esprit d'équipe, mais aussi un esprit de développement pour essayer d'améliorer le lycée. Donc pour moi, Sophie Barra, en conclusion, c'est un potentiel très intéressant et avec tous les projets qu'on va mettre en place, on va faire développer cet établissement et en faire un endroit où tout le monde aura envie de venir et d'y vivre.